Ça va? C'est sûr, hein? Pour le faire descendre, il faudrait que tu fasses dans l'autre sens, je pense. Sinon, je suis en Ah, les tabourets. C'est Samson François qui a fait beaucoup, beaucoup de tournées dans les années 50, qui était un pianiste mythique, comme vous le savez. C'est un de nos grands aînés, un inspirateur de musique incroyable. Et il a beaucoup. Il aimait bien son pays, il voyageait pas tellement à l'étranger, mais en France, beaucoup voyageait avec les JMF. Et un jour, il se trouvait à la radio et on lui disait, mais comment faites-vous dans des villes? Il doit y avoir des pianos, ça doit être des vieilles commodes qui datent du début du siècle. Comment vous faites pour vous arranger avec ça, et pour jouer, pour être confortable avec des vieux, vieux instruments? Et naïvement, il répondait de sa petite voix toute douce, oh, il dit, vous savez, avec les pianos, on s'arrange toujours, mais avec les tabourets, jamais.
Bien. Bien, 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 bien. Il faut vous imaginer que l'écriture d'une pièce comme celle-là est une véritable révolution dans le monde de la musique. Il y a là-dedans des harmonies qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Et de plus, c'est une inspiration un petit peu orientale. Ce sont des apports de musique du monde, comme on dirait aujourd'hui. Et c'était des œuvres qui surprenaient énormément les auditeurs. Il a fallu des artistes presque courageux pour porter ça sur la scène, tellement ça paraissait moderne et conséquemment inaudible pour beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude. Alors aujourd'hui, on s'est passé dans le répertoire courant, mais ça n'empêche que c'est plein de trésors harmoniques auxquels nos oreilles sont beaucoup plus habituées, mais ce n'est pas une raison pour les oublier. Il y a des accords d'une grande complexité qui sont très beaux, puis surtout une atmosphère. On n'avait jamais vu quelqu'un dépeindre l'eau comme ça, des gouttes qui tombent sur un lac et qui font des grands ronds. Et tout cet imaginaire, il faut essayer de le retranscrire au piano, ce qui n'est pas une chose facile. Mais il faut se dire aussi que le piano est un instrument privilégié parce qu'il peut recueillir justement toutes ces impressions. Aucun instrument au monde autre que le piano ne peut traduire ces images, ces portraits, ces paysages, ces atmosphères, la brume, le brouillard. Il faut justement tirer profit de l'instrument pour essayer de traduire par le biais de sa propre imagination tout ce que Debussy a voulu mettre en scène en quelque sorte. Mais c'était audacieux à l'époque, hein. C'était vraiment des choses tout à fait récentes. Alors, c'est vous dire qu'il faut que ça soit dans... Il faut établir cette pièce dans un climat particulier. On est dehors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais on est en paix, on se promène, on voit des paysages, et puis il y a de l'eau partout, des marais, des lacs, des étangs, une rivière, quand ça bouge un peu... Il faut se faire tout un monde pour essayer de le transcrire et donner du relief à une pièce de cette nature. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer de créer des sonorités très différentes. Il faut quasiment inventer dans son propre jeu des manières de faire sonner le piano d'une manière singulière. Pas se contenter, mais ce n'est pas ce que vous faites, mais... pas se contenter de jouer les notes et même de respecter les indications manuscrites qui sont là, enfin du compositeur lui-même. Il faut inventer dans son jeu, il faut s'efforcer de créer des sonorités qui vous appartiennent, qui sont à vous, des attaques, des rapports, des correspondances, des équilibres dans les... main gauche, main droite. Alors, on va essayer de faire ça en quelques minutes, mais c'est un travail qui vaut le coup parce que ça vous permet de vous approprier l'interprétation d'une œuvre comme ça. Ce n'est pas de la transformer et tout ça, mais il a été assez clair, Debussy. S'il avait voulu ne pas donner l'explication, il n'aurait pas écrit ça, reflet dans l'eau. Reflet dans l'eau, ça veut dire qu'il faut essayer d'imiter l'élément. Et pour ça, on a 10 doigts et une tête à sa disposition. Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. S'il vous plaît, je veux bien entendre le début. Je suis sûr que c'est très joli, c'est une très belle, c'est un très beau, c'est un fond de tableau, on dirait. C'est le peintre qui commence à s'exprimer, à poser ses couleurs au fond, sachant que ça va changer, ça va être modifié et tout ça. Donc il y a une belle préparation. Ce qui me manque quand même, ce sont deux choses. D'abord l'indication de tempo rubato qu'il a mise.
donc, qu'il faudrait observer, c'est-à-dire il faut quand même que le paysage bouge un peu, qu'on ne soit pas dans un truc statique, ce qui n'est pas tout à fait votre cas, mais pas loin. Il faudrait un tout petit peu bouger à l'intérieur des phrases. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut commencer à appliquer le principe de l'eau qui arrive, et c'est-à-dire par l'intermédiaire de ce petit segment de thématique, tam, pam, pam. Il faut le faire émerger un peu. Et c'est là où l'interprète doit être un créateur. C'est-à-dire qu'il doit créer cette sonorité spécifique qui, dans votre imaginaire comme dans le mien, n'est pas loin d'une goutte d'eau qui tombe sur un lac tranquille. Bong, bong, bong. Mais ça, il faut aller le chercher au bout de ses doigts. Donc vous allez le faire, vous allez le trouver tout de suite, vous allez voir. Non, là, vous n'avez rien trouvé du tout. Non, j'ai besoin d'une définition sonore qui soit radicalement différente du tapis que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de marcher. Il me faut vraiment quelque chose qui tombe. Il faut qu'il y ait un choc. Bang. Le reste, ce n'est pas un choc, c'est la surface. Mais ce qui va tomber, ces trois petites notes-là, il faut qu'elles émergent comme si bloum, bloum. D'abord, ça fait ploc, une goutte d'eau qui tombe. Déjà, ça fait du bruit. Puis ensuite, ça dessine des ronds. Donc, dans la sonorité, il va falloir essayer. C'est plus dans l'imaginaire que dans la réalité, mais il faut de toute façon essayer. Allez-y. C'est mieux, mais on n'est encore pas où, on n'est pas tout à fait là où je voudrais que vous alliez. Et je crois savoir pourquoi. C'est parce que vous considérez la note comme étant, comme atterrissant sur le clavier de haut en bas. C'est-à-dire que vous la considérez comme la chute de quelque chose. Or, ce n'est pas qu'une chute, c'est un rebond. Vous savez, quand la goutte arrive, il y a un petit peu d'eau qui arrive. On voit ça avec les plongeurs, par exemple. Et quand les plongeurs disparaissent sous l'eau, évidemment, toute l'eau qu'ils ont dégagée remonte à la surface. Donc, si vous descendez votre doigt et que vous le laissez coller à la touche, vous n'avez aucune chance de rejoindre cette atmosphère-là. Il faut forcément que, quelque part, une fois descendu, votre doigt remonte. Et la remontée du doigt avec la pression nécessaire pour le faire remonter, va vous créer cette impression de l'eau qui remonte. Encore une fois. Alors, il y a une solution pour y arriver. Je vois que vous faites l'effort physique de remonter le bras, la main, le doigt, etc. Il y a quand même une petite solution, c'est le principe du grattage, c'est pas comme au tabac où on achète des trucs, on gratte. Si vous allez avec votre première phalange, il faudrait gratter la note. Tic, 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 tic. Il faudrait lui donner une petite pression musculaire avec la première phalange. Et vous allez voir que ça va lui donner bang, une espèce de petite résonance toc qui va fort bien convenir. Allez-y. Presque. C'est mieux. Voilà. Ding, ding. Alors là, vous allez m'expliquer pourquoi tout d'un coup le tempo n'est plus le même, pourquoi tout d'un coup le tempo s'affaisse. Premièrement, il y a un quart de soupir, fa, mi, si, là, qu'il faut respecter. Et deuxièmement, le tempo s'avachit, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est le même, il n'y a pas d'indication. C'est fa, di, ri, ra, c'est le même que to, di, ri, ra, do, di. Il y a une pulsation, il faut la garder, un fa, mi, si. Et troisième observation, nous n'entendons, là, je parle au nom de tout le monde.
Nous n'entendons que les voix inférieures et on n'entend pas malheureusement Fa, mi, si, la, qui doit être superposée, qui doit être la voix qui doit nous arriver en premier à l'oreille. Et nous, on n'entend que l'accompagnement. Hein, faut vous appliquer à faire ti, ru, ru, pour qu'on entende ça. D'accord? Prenez juste là-dessus. Hein. Fa, mi. Sol bémol, do, fa. Et la bémol à la main gauche. Sol bémol, do, fa, à la main droite. Do bécard. Voilà. Tenez, prenez la musique, ça ira plus vite, parce que moi je sais pas quoi. Tiradiram. Mais je veux pas de la si si do à la main gauche, je veux fa mi si la à la main droite. Oui. D'accord. Alors deux choses. Une, le tempo, hein, parce que vous n'êtes pas dedans. Deuxièmement, pas de fa mi si la. La mi, fa mi si la do si, mais une unité de tempo, un tempo quoi, en quelque sorte. Et puis surtout, fa mi si la, ping, 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 ping. Les petites gouttes qui apparaissent. Hein. L'arpégé, c'est pas ré fa fa, c'est ré sol fa. Ré sol fa. Voilà. Faites-moi ça. En soignant la ligne supérieure. Tiram, tiram, tiram. Bon, il y a un désordre. Il y a... Sur le troisième groupe de double croche, c'est un ré bémol. Ici, ré bémol. Ré bémol. Merci. Mi, ré, mi, fa. C'est ça le thème, hein? Essayez d'imaginer que la nature se réveille à cet endroit-là. Alors, on a le paysage est décrit par yam, pim, pim, sans presser, hein, parce que là, vous bousculez beaucoup, comme si tout d'un coup, évidemment, c'est plus facile, mais pas aller trop vite quand même, sinon je vous mets une contravention. Ti, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, mi, ré, mi, fa, ping, ping. Et là, tout d'un coup, dans ce paysage, il va apparaître un personnage, un animal, on ne sait pas très bien quoi, mais un bruit loin de la forêt qui n'est pas fait par un bruissement de feuilles ou par une flaque d'eau. Tout d'un coup, il y a quelque chose de matérialisé dans et ça, ça nécessite aussi de votre part une création sonore. Et la même chose, première phalange, c'est-à-dire une articulation qui soit plus nerveuse que ce que vous venez de faire. Là, on était bien sur le sol, boum, boum, ou sur l'eau. C'était très paisible. Et tout d'un coup, on va avoir arrivé qui va émerger de on ne sait où. Allez-y. Non. Mi, ré,
si la mer. Merci, très calme. C'est dans ce sens-là, en tout cas. Mettez-le un tout petit peu plus, un petit peu plus présent. En dehors. Et fa, la, do bémol, mi bémol, la bémol, fa, ré, tout est. Si, mi, la, fa, ré. Avec le dessin, oui, ça vient. Oui, c'est bien. C'est votre arrangement qui ne va pas du tout. Je vois ça, je ne sais pas comment vous faites, mais il y a un truc, il y a un partage dans les deux mains là, qui détruit la courbe. Voilà. Oui, allez-y, continuez. Encore une fois au début, pas trop vite parce que vous faites une faute de texte, vous l'avez bien corrigé. Non, deuxième séquence. Encore au début, vas-y. Tout ce qui est arpège de la main droite, méfiez-vous, vous perdez du temps dans l'espace. Vous avez une espèce de geste comme ça. Essayez de le faire d'une manière beaucoup plus linéaire, sans qu'on voit, parce que d'abord, ce n'est pas égal, et ensuite, ce n'est pas dans le tempo, et vous perdez du temps là. Je vous vois, je ne sais pas, faites-le cet arpège. Oui, c'est ça, on voit vos doigts qui se baladent au-dessus quand ils ont fini de jouer, on ne sait pas très bien pourquoi. Prenez cette position, si, la, sol, do, et ne bougez plus, si, la, sol, do. Non, laissez les doigts enfoncés, si, la, sol, do. Ok, maintenant prenez votre coude, hop, et transportez ça à l'octave, non, surtout ne faites pas ça, transportez ça à l'octave inférieure, sans bouger l'axe de la main. Si, la, sol, do, restez dessus, et avec ces quatre doigts, transportez-vous sur l'octave inférieure, sans bouger l'axe de la main. Voilà, très bien. Et maintenant, dans le travail, faites comme ça. Si, la, sol, do, si, la, sol, do, sans jamais faire de... Parce que... Vous y êtes presque. Encore. Voilà, vous vous rendez compte. Vous faisiez... Et il suffit de faire ça. Alors, c'est pas naturel au début, mais... Et vous allez voir, avec une articulation appropriée, comme ça, il n'y a pas de temps perdu, sinon... D'accord ? Tournez pas la main, si c'est possible. D'accord ? C'est parce que votre coude n'est pas bien placé, allez-y. Si, la somme... Attendez, permettez, je suis obligé de... Vous savez qu'aux États-Unis, un geste comme ça, vous allez en prison, hein, ce que je viens de faire. Si, la, sol. Voilà.
C'est votre coude qui va vous emmener. Si le coude reste derrière, il va être en retard. C'est lui qui vous permet d'avancer. Hein. Évitez le... J'ai la main. Allez, avancez. Crescendo. On est obligé de s'interrompre là. J'ai essayé de vous donner deux, trois petites indications. On se revoit demain, je crois. Donc, on travaillera un petit peu. Merci. Bravo.